Aujourd'hui, je voulais organiser un event sans genre de construction, sauf qu'un youtubeur a décidé de complètement ruiner mon event, en l'infiltrant secrètement et en foutant le zbeul. Le concept est clair, donc tu bombardes les likes, objectif 32 likes, ça va être sacrément chaud, c'est y part. Bon les gars, j'ai vu que Lined avait lancé un petit event, et je me suis dit pourquoi pas l'incruster, donc on va revêtir un petit skin assez discret. S'il vous plaît, faites ce qui met pas des OP des autres vidéos. Oh c'est bon les gars, ok. Donc là j'ai mon skin nickel, et là du coup si j'ai toutes les perles, normalement je vais pouvoir me slash nick, je vais m'appeler Gaming Roblox 89, comme ça c'est assez discret. Et là logiquement les gars, je vais passer totalement inaperçu dans l'event, voilà, vous pouvez le voir, il y a personne qui vient autour de moi, c'est parfait. Ok Shawen, chacun dans sa zone. Alors là je me sens chaud, là tout le monde est là, tout le monde est prêt. Tu penses être quoi le premier thème, Shawen? Bah maison, hein, je suppose, comme d'habitude, vu que t'as pas d'originalité. Non. Mange une outil Minecraft. T'aurais fait quoi, Shawen? Toi, à la place des 100 petits joueurs, t'aurais fait quoi? Moi, j'aurais fait une hache parce que je suis un viking. Oui, bon, en tout cas, lui, je sais pas pourquoi, là. Lui, je sens qu'il va pas aller loin. J'irai pas pourquoi. Non, t'es vraiment un chien. Non, mais non, lui, il va aller très très loin, lui. Lui, fais gaffe, tu le bouges pas, lui. On fait un truc. S'il fait une pelle, je le vire. Je le vire direct. Non. La pelle, c'est vraiment pour les faibles. Bon, elle est un peu bancale, sa pioche, hein, niveau de la. Ah oui. Oui. Ok, bon, les gars, on vient d'être téléporté. Là, l'event il va démarrer. Donc là, vraiment, je vais mettre le plus à l'extrémité possible. Limite, comme ça, il y a personne qui va douter de si je fais des bêtises ou si je triche. Oh, et on a le thème mange une outil Minecraft. Ok, bon, bah, du coup, il faut juste que j'aille me trouver un petit schématique. Mais logiquement, ça devrait le faire. Il y a ce bon vieux Jésus, Dark Nightmare 666, qui a pas compris qu'il fallait commencer. Ah oui, non, mais wesh, il vient de s'équiper d'une pioche en bois. Enfin, en pierre. T'as compris, quoi. Ok, c'est bon, les gars, j'ai mon petit schématique. Bon, on va pas tout le construire d'un coup, sinon Lined il va vraiment trouver ça bizarre. Oh, d'ailleurs il est juste là, Lined. Ah, coucou Lined, attendez, il faut qu'on commence un petit peu à build là, comme si tout était normal. Voilà, on va placer de la stone, etc. Il n'y a pas de problème. Voilà, oh tiens, on va placer de la grasse. Oh, ça me fait paniquer, pourquoi il reste à côté de moi? Barrez-vous! En plus, je peux même pas bien faire le truc, ça veut dire. Gaming Roblox 89, t'es mal blaze. Ah ouais, là, un skin vraiment de Cro-Magnon, ça. Lui, ça se voit que lui, il enferme des gosses. Hein. Je vais pas le dire, mais. Hey, j'ai envie de dire ma mère, la machin, si lui, il arrive en finale. Hein. Théma, comment il build? On va le laisser. Après, on a quand même Aspas, quoi. Donc bon, je pense que lui. Aspas TV. Mais Théma, ce build, il est trop bizarre. Bon, c'est un entonnoir, c'est quoi ça? Non, mais il y a vraiment des joueurs, ils nous font des choses, t'as peur. Hein. C'est effrayant, le truc. Hein. Ah ouais. Un cône de glace, le bordel. Bon, en tout cas, il y a quand même des joueurs qui sont en train de faire des choses plutôt séduisantes. Il y a vraiment des mecs fort. Hein. Après, bon, des mecs forts, c'est relatif. Hein. Non, mais t'es moi ça. Non, mais alors lui, ma mère l'a chouin s'il éliminé, franchement. On sent qu'il y a du niveau, hein. On sent que c'est pas n'importe quoi. Bon, par contre, il y a des gens, ils sont pas très. Ah, lui, en vrai de vrai, rien que par rapport aux couleurs, on va dire qu'il est original. En soi, faire un genre de pixel art d'une hache, j'ai pas envie de dire que c'est éliminé, hein, mais. Par exemple, lui, bon, après, il y en a, ils tentent de faire des pixel art, mais. Je vais dire, mon gars, courage, parce que là, The Gamer Roblox 22, Ok, là, vraiment, en soi, il est bien calé. Et là, du coup, comme Lined, il me semble, il était proche de chez nous, on va pas non plus d'un coup commencer à build des trucs. Du coup là normalement voilà, si j'appuie sur ma touche Q, ça commence à build bloc par bloc. Comme ça il y a rien de trop bizarre. Voilà, là je build Pépouze. Bon, si vous voulez pas remarquer, au cas où, c'est une petite pelle hein, les gars, qu'on est en train de build. Franchement ça rentre parfaitement dans le thème outil Minecraft. Je trouve que je me suis très très bien débrouillé. Voilà, pour l'instant en plus il y a personne qui dit dans le chat que j'ai triché. Bon, c'est peut-être parce que le chat est désactivé il me semble. Bon, en vrai c'est parfait, comme ça il y a personne qui pourra me poucave. Nous en plus là les gens ils font tous des outils pas très fous, alors que moi vraiment bah je me la tue hein. Je me la tue pas legit, mais je me la tue quand même. Mais qu'est-ce qui... Mais c'est qui Aspas TV? Ah mais wesh, non mais Théma ce qui faisait l'autre là. Théma ce qui fait Gaming Roblox. Bon, bon. Wesh! Bon, le frérot, pris en flagrant délire là. Donc tu dégages, voilà, hop là, on élimine voilà, Shawen. Ah, let's go! Aspas TV à la poubelle. Il a aussi infiltré les vêtements, tout c'est comment là? Et pourquoi les deux ils sont là? Bon, de toute façon, regardez, de toute façon, en vrai, non, je m'en fous en fait qu'ils soient là. De toute façon, j'ai rien à me reprocher. Moi, je build tranquillement. Hop, voilà. Après, je vois pas l'outil en question. L'outil en question, c'est un terraforming là, c'est Aurélien Sama. Bon, par contre, il y a des gens, ils font des pioches, elles ont des strabismes. Après, peut-être qu'il l'a fait en 3D si on l'a. Ah non, je pensais qu'en la prenant d'un point de vue extérieur c'était pas mal. Bon finalement je suis un peu déçu hein. Ouais c'est pas ouf. Après il a de l'originalité quand même. Rien que lui là-bas en train de faire un genre de comment ça s'appelle, un genre de cadre avec une pioche, j'aime bien. Je vais lui dire j'aime bien. T'aimes bien ou t'aimes pas bien? Bon vieux maître Salem, lui j'ai envie de lui parler, il a un skin vraiment atypique, il a un skin à faire des bails bizarres avec des furies lui. Allez.
allez, tu mouves. Après, franchement, ouais, non, son build est vraiment éclaté. Ouais, mais j'ai envie de lui parler. Peut-être qu'il y a un côté artistique. Parce qu'il faut pas oublier, hein. Moi, je veux des artistes. Donc, si jamais en vocal, il me dit un petit côté artistique, il y a moyen qu'il gagne. Comment ça, non? Tu vas venir me parler, le jeune homme. Oui, en vrai, je vais t'avouer que j'ai passé un sale quart d'heure machine à laver. Ah, bah oui. Ok, on comprend mieux. C'est l'histoire de la machine à laver avec la pioche, ok. Je vais l'aider, non, mais je vais l'aider parce que bon, le coup de la machine à laver, c'était pas mal quand même. Bah, au pire, franchement, si t'arrives à créer une histoire avec la pioche et la machine à laver, je te prends. Boum, et voilà, là il y a tout qui se construit, magnifique. Et maintenant, on va faire la touche sur le gâteau, la cerise sur le gâteau. Hop, on va finir la construction par nous-mêmes. Et alors là, si je regarde, les gars, c'est magnifique. Ah, franchement, c'est exceptionnel. Bon, il y a juste des trucs qui sont, voilà, pas très carrés. Bon, bah voilà, écoutez, maintenant, j'attends un petit peu. Si là, il y a des chavons, il passe proche de moi. Je fais genre, oh là là, je suis en train de build là. Ouf, oh là là, le temps presse, c'est compliqué. Alors que frérot, j'ai terminé depuis 20 minutes. Wesh, wesh, t'es mort. Non, wesh, quoi, c'est le plus beau build ça. Wesh, oh, le dosage. Wesh, il est trop fort. Ah ouais, non, mais là, c'est quoi les hobbies là? Eh, move. Je veux lui parler. La tête d'ailleurs, je veux lui parler. Eh, les gars, si jamais il veut m'appeler sur Discord, si jamais il me move là sur son serveur event sur lequel je me suis renommé, ok, faut que je fasse une voix d'homme. Allô? Allô? J'ai une voix de bonhomme là ou quoi là? Pourquoi t'appelles Gaming Roblox? Bah, parce que j'aime bien Roblox. Mais... non, vraiment, au calme. Wesh, comment t'as build ça? En fait, moi, j'aime beaucoup le build. Tu viens d'enchaîner des cigarettes là? Fumer le paquet de cigarettes? C'est sympa de se moquer de la voix des gens. Mais bon, ouais. Pardon, non, mais on essaie de faire du divertissement, on essaie de faire des blagues. Bon, par contre, t'en penses quoi des adversaires? Parce que là, en vrai de vrai, bon. Bah, ils sont nuls, hein, faut le dire les termes. Hein. Ah oui, bon. Ah, t'as dit les termes, chacal là. Ah, franchement, ah ouais. Il y a trop d'ardeur là, je sens qu'il y a le sang chaud là. Ah, lui, il vient du sud, lui, 100%. Ah ouais, il fait flipper le mec, hein. Je crois qu'il vraiment, il cache des gens dans sa cave, hein. T'en as pensé quoi de son petit build là? Vraiment, il est pas mal ton build. Je me suis dit, si je veux que ça passe carré, il faut un mec. Voilà, les gens en event, ils pètent pas la forme, ils sont pas comme moi actuellement en train de vous parler. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse une voix un petit peu comme ça, un petit peu tranquille, un petit peu, voilà, un petit peu, je me suis pépouse. Alors que frère, j'ai envie de parler comme ça, quoi. Bref. Franchement, ce gamer Roblox, je m'attendais à rien. Non, mais... c'est quoi ça? Attends, franchement, c'est quoi ça? Je vais lui faire une gâchette, voilà. On lui fait une gâchette, on met de l'Eden Road, voilà. On lui fait une gâchette. Voilà, une minute, Shawen. Bon, là, je pense que dans quelques secondes, on va pouvoir stopper le truc. Est-ce que tu vois déjà des petites personnes à éliminer là? Bah, franchement, il y en a pas mal qui vont passer sous la trappe, hein. Je te mens pas, hein. Et voilà, fin de la manche, Shawen. Bon, j'ai mon petit kickstick. On va devoir en éliminer certains. Est-ce que on fait à toi, moi, ok? Donc, prends ton kickstick. Est-ce qu'on a besoin d'aller spécialement plus loin? Facecam? Ouais, bon, bah, tu vas retourner faire des facecam et tu vas pas me faire chier. Arrête, non! Bon, en fait, j'ai l'impression que vraiment ceux qui ont fait des bulles kata, ils se sont barrés. Bon, frérot, 78 Jack, bon, désolé, mon gars. Boum. À toi maintenant, Shawen. Bon, le petit chat mignon. Heureusement qu'il y a le bloc, sinon sa pioche, elle manque un peu de calcium là. Ah, je sais pas. Bon, tu sais quoi, je vais être gentil pour lui. Non, tout ça parce qu'il a chat dans le pseudo. Il aurait chien, tu l'aurais dégagé comme ça, tu vois. C'est vrai. Super Tony. Juste pour le blast, t'as de la chance, toi. Bon, par contre, lui, il a rien fini du tout. C'est catastrophique. Allez hop, dégage. Désolé, Demon Slayer, c'est ciao. Bon, cette fois, je vais être intransigeant. Je vais pas avoir pitié. Est-ce que on le garde parce qu'il a fait un pistolet? Si baisse sa tête, on l'élimine. Nous on veut des vaillants, nous. La sentence est irrévocable. Comme dirait Denis, voilà, ça dégage. Bon, maintenant, Shawen, on va en éliminer encore deux et basta. Donc, tu sais quoi, je vais tenter de faire une pierre de coups. Désolé, Ayoub, mais ta pioche, c'est du foutage de gueule. Blau. Et toi, malheureusement, malgré ton skin de château fort, c'est ciao. Et voilà. Bon, Shawen, maintenant, il nous reste que des vainqueurs. On va passer à la deuxième manche. J'espère que t'es prêt. Oh, je suis prêt à kick des mecs là. Je suis prêt, je suis chaud. Et voilà, Shawen, manche de fantaisie. Alors là, j'espère qu'ils vont être chauds. J'espère qu'ils vont être patates. J'espère qu'ils vont nous faire des vrais bails là. Hein. Bon, il y a des gens qui sont en train de faire des genres de tours. J'ai peut-être pas compris. Ah, s'il fait Tower Fantasy, franchement, lui, c'est chaud. Hein. Mais là, mais Tower Fantasy, c'est pas des tours. Là, t'es bête ou quoi? Il y a le bail Tower. Donc pour moi, c'est des tours. Oh, tu penses là qu'ils vont faire les tours jumelles? Bon, c'est peut-être pas trop le rapport. Bon, lui, attends, on va le réveiller, ce bon vieux Gibus là. Il a vraiment un skin d'un mec des tribus, lui. Hein. Ah ouais, clairement. J'ai pas envie de l'éliminer, bon. Mais. Est-ce que, franchement. On sait jamais. Non, on sait jamais. Il y a moins qu'on revienne et que waouh. Bon, les gars, c'est parti pour la deuxième petite manche Fantasy. Bon, là, c'est pareil. Il va juste falloir que j'aille me trouver un petit schématix. Et après, on va pouvoir commencer en toute pépouze. Okay, bon, celui-ci, ça a vraiment été très rapide. Voilà, j'ai trouvé un genre de petit temple, un peu une tour de sorcier. Écoutez, on va juste bien se la placer. Boum. Est-ce qu'on pourrait pas aller voir l'autre là qui avait fait un bulle tard les fois avec une pelle bizarre là? L'autre qui faisait un peu le malin là. Parce que lui, j'ai bien envie de l'éliminer. Hein. Je sais pas toi. Franchement... Ah, il est dans mon rétroviseur. Hein. Ah, mais clairement. Je le vois. Hein. Je vous le dis, les mecs. Si l'autre là qui faisait le malin en vocal, à la moindre phrase de travers, je le kick. Salut, Shawen. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il reste là? Attendez, il faut encore une fois qu'on fasse ce genre de build un petit peu là. Je vais quand même me placer mon build. Hein. Il me dit pourquoi un bâton pour te battre. Bon, ils peuvent partir. Attendez, est-ce qu'ils sont partis ou ils sont pas partis? Pourquoi il prend un bâton? Mais peut-être qu'il veut cracher une pioche, je sais pas. Un bâton
train de faire un des trucs fantasy. Après, Miskin est en train de lui faire perdre du temps. Tu sais quoi? Pour te battre, mon enf. Si le build est nul, je le dégage. Il parle trop mal. Il parle trop mal avec, ses, avec sa bouche là. Ah, mais clairement. Mais pas que sa bouche, avec son clavier, bordel. Bon, est-ce que des gens ont compris que c'était le thème fantasy là? Oh, oh. Tu sais pas, ça se trouve, il va faire la tour Eiffel. Je sais ce qu'il va faire lui. Une genre, tu sais, de maison un petit peu en relief. Bon, il y a des gens qui sont en train d'opter pour un Lineage. Lui, vraiment, c'est un miraculé. Hein. Lui, vraiment, c'est un mec qui a réussi à s'échapper du premier camp. Parce que là, bon, tu te doutes bien qu'il va peut-être pas passer la frontière. Hein. Après, s'il fait un dragon, ça peut être incroyable. Bon, voilà, qui leur dit qu'il leur reste plus que 5 minutes en fait. Oh là là, attendez, il nous reste 5 minutes. Attendez, parce que là, il va falloir qu'on soit d'une rapidité hors pair. Ok, c'est parti, on active la touche secrète. Et là, boum, on va commencer, hop là, à build par nous-mêmes. Enfin, au contraire, intelligemment, artificiellement, on va dire. Voilà, là, je fais genre que c'est tout moi qui build. Et faut voir comment je build vite, hein. Franchement, c'est impressionnant là. Ok, je regarde juste s'il y a Lined ou quelqu'un dans les parages. Mais s'il y a personne dans les parages, je pense qu'on va bientôt copier-coller notre build. Hein, parce que sinon, il n'y a aucun monde où on a le temps de tout faire. Hein. Je vais pas dès maintenant tout paste d'un coup. Sinon, en vrai, ça va vraiment faire trop bizarre. Parce que bon, les mecs à côté de moi, ils ont le temps de faire un stand de melon et un arbre. Donc vraiment, ce serait louche en fait. En fait, là, il faut vraiment que je sois plus rapide. Ok, 2 minutes. Il nous dit 2 minutes. Ok, bah vous savez quoi? Personne qui ne doit rien voir. Ok, je crois qu'on est bon. Je vais mettre, hop, mon schématique. Voilà. Bon, tout se met d'un coup, mais logiquement, il y avait vraiment personne autour de moi. Bon, au cas où ils viennent, on va faire genre, oh là là, on est en train de terminer de build. Bon, franchement, même en trichant, les gars, j'ai failli rater le coche. Hein. J'ai failli ne pas avoir mon truc à temps, donc vraiment, c'est dire. Hein. Bon, il y a des gens qui font des tables basses. J'aimerais bien savoir pourquoi. Peut-être qu'il va faire un cheval, hein. Une montgolfière. J'irais pas que c'est stylé, hein. Mais pour moi, c'est clairement dans le thème. Ah, pour moi, c'est pas dans le thème, mais c'est stylé. Bah, en fait, j'essaie de comparer par rapport au. Bon, est-ce que ça, c'est fantasy? Déjà, rien que le faire en rouge, est-ce que ce serait pas une faute de goût? Est-ce que t'aurais pas envie de changer les blocs pour le qualifier, là? Écoute, Lined. Tu respectes Mario, ok? Il t'a fait avec un strabisme. Non, mais Lined, tu respectes Mario, ok? C'est de la fantasy. C'est de la fantasy, Todd. Ah, c'est vrai. Bon, par contre, là, c'est un japonais, là. Ah, non, mais lui, vraiment, c'est l'époque des sorciers, là. C'est. Il a une petite baguette magique avec. Lui, il a l'air vraiment spécial. Je vais dire Discord. Ouais, c'est. En fait, j'ai voulu faire le chapeau de Harry Potter, mais. Le chapeau d'Harry Potter en brûlé? Bah, en fait, j'ai voulu faire, mais quand j'ai vu qu'avec 5 minutes, je me suis dit, non, je vais plutôt faire le Nimbus 2000. Ah oui. Oh, pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. C'est fantasy. Je pense pas que les blocs sont très bien choisis, mais franchement, force à Watt, hein. Alors lui, il gagne. Non, mais wesh, non, mais Théma. Théma, Harry Potter. Ah, mais la vie de mère que c'est meilleur. C'est le meilleur build actuellement. Bon, il y a un mec qui a voulu faire The Door. Bon, tu sais de nous faire quoi, Keystorm, là? Bah, j'essaye de faire une sorte de cyclope. Wesh, tu mets des patates à ton micro, t'es en train de te battre ou quoi, là? C'est un bagarreur, lui. Donc, lui, si on l'élimine, malheureusement, on aura des problèmes dans la vraie vie. Oh, Lined! Quoi? C'est quoi ce truc? Wesh, on est sur arrête. Wesh. Wesh, on est sur un serveur. Wesh, c'est pas possible de faire ça en aussi peu de temps. Wesh, il y a même des traps. Franchement, non, mais la tête d'homme, lui, faut le ramener en vocal. Par contre, peut-être que j'ai un petit peu abusé sur la taille du schématique, hein, parce que vraiment, les mecs à côté de moi, ils ont pas eu le temps de faire des trucs aussi ouf, hein. Attendez, vous savez quoi? On va discrètement péter un petit peu ce que l'autre a fait à côté. Ça nous assure vraiment des chances de gagner. Ok, attendez, il y a un mec. Je suis pas encore prête à faire ma voix de bonhomme là. J'ai pas de justification à porter là. Faut pas qu'il reste par ici. Hop, moi je vais voir les plots des autres. Voilà, comme ça y a rien de bizarre. Tu peux nous le dire si t'enfermes des gosses dans des caves ou. Je suis sur la voix, c'est pas très sympa. Hein. Non, sur ton skin. Bon, tu nous expliques comment t'as fait pour. Bah, en fait, le but, je veux bien. Mais quand c'est que t'as réussi à mettre ça là? C'est avec un debug stick. En fait, tu peux les mettre dans une certaine position. Après, moi, je sais tout ça. Je connais plein d'astuces de builder pro parce que moi, je build quoi. Ok, bah je pense qu'on peut laisser tranquille. Bon, bref, allez, bisous. J'espère que c'est un rôle qui est joué parce que j'ai pas envie d'harceler quelqu'un. Oh là là, les gars, c'est en train de devenir chaud, je vous le dis. C'est en train de devenir chaud, en plus la voix elle est vraiment très très compliquée à tenir parce que imaginez-vous, je dois passer d'une voix comme ça très aiguë à une voix comme ça qu'il faut tenir, c'est impossible, voilà, franchement c'est impossible. Et vraiment là, ils sont en train de me cramer, les trapdoors limite ça a failli tout me niquer, heureusement j'ai trouvé une excuse. Fin de la manche et voilà. Bon, toi tu te doutes bien que voilà, malheureusement ton balai tu vas te le foutre où je pense. celui qui a fait le Shawen, bon je suis désolé hein. Allez, je veux bien le défendre. Y a même pas de bonjour. Ouais, ça bouge. Tu esquives mon regard, tu es éliminé. Tu esquives, voilà, t'as esquivé mon regard. Toi, je t'offre une fleur noire. Oh, mais attends, Lined. T'es mal foutage de gueule, t'es mal foutage de gueule, t'es mal foutage de gueule.
foutage de legueux. Regarde-moi dans les yeux. Quoi? Tu baisses la tête sinon t'es éliminé. 5, 4, 3, 2, 1, boum. Arrête, t'es méchant. Franchement, t'es méchant. Il a essayé. Arrête, il a le nez de Jean Lassalle. Après, la nette, il y a lui qui a fait un château fort. Bon, j'ai l'impression qu'il se fout un peu de nous. Oui, bon, en plus, il est en train de se baigner. Bon, c'est peut-être pas à l'heure du hammam. Donc, je te laisse éliminer. Allez, hop. Pas moi le méchant. Bon, il y a un mec qui a fait McDo. Bon, qui lui dit? Franchement, qui lui dit? Zéro fantaisie. Moi, ça dégage. Ah, mais il faut au moins que tu les regardes dans les yeux. Oh, y a Harry Potter. Ah non, mais j'en ai rien à faire. Bon, lui, malheureusement, bon, frérot, ça bouge. Ah, t'es quand même méchant, hein. Bon, est-ce que lui, pour la blague, on le garde? Ça, franchement. Il y a Aspas dans le blaze, donc ça dégage, hein. Comme dit le dicton, qui dit que c'est pas terminé, dit que c'est. Bah, c'est ça dégage, quoi. Dégage. Aucun dicton dit ça, mais pas mal. Bon, lui, malheureusement, toi, je ne kiffe pas trop ton build, ça boue. Quoi? Oh, le chien! T'es vraiment un sauveur. T'es vraiment un sauveur. Bon, lui, malheureusement, il a beau tenter de vouloir se cacher. Quoi? Du coup, il joue, lui. Allez hop, ça dégage. Bon, ozone marqueur. Bon, lui, allez hop, toi. Un peu en bas, cacher la tête, voilà. Ça va nous faire de la lèche, bah tiens. Bon, tuture, t'iras voir Arthur. Hein. C'était trop nul. Bon, qui lui dit à lui? Oh. Hein, qui lui dit? Malheureusement, Ohio, voilà quoi. T'iras me voir dans l'Ohio. Bon, bah voilà, Shawen. Malheureusement, on est très méchant. Mais on a fait le contron. On a éliminé tout le monde. Bon, lui, par contre, je le tiens quand même au jus, hein. Bizarre. Bon, Shawen, on les a actuellement TP dans l'autre zone. Là, maintenant, il y a 25 joueurs. Et bah, comme tu peux le voir, bah, les îles sont beaucoup, beaucoup plus grandes. Et ils ont le thème sorcier à la manche 3. Bon, t'aurais fait quoi, toi, Shawen, avec le thème sorcier? Bah, j'aurais fait le sorcier de Clash Royale. Tu veux pas être original dans la vie? Mais original. Toi, t'aurais fait quoi? Vas-y, dis-moi. Sorcier de Clash of Clans, voilà, super. C'est un peu les mêmes, non? En fait, ils comprennent pas qu'ils peuvent pas écrire. On est à l'époque de Charlie Chaplin's. Bah, tu sais quoi, hop. Nous, c'est comme à l'ancienne. On prend des livres quand on écrit. Bon, après, il est peut-être genouné, là. Oh, manche 3 sorcier. Ok, bon, bah là, il va falloir que je me démène pour trouver un petit schématique, écoutez. Ok, bon, les gars, j'ai mon schématique. Franchement, vous me dites si j'ai abusé ou pas. Franchement, vous me dites en commentaire, Poké, là, peut-être que t'as déconné un petit peu, peut-être que ça se voit trop. De toute façon, là, les gars, ma technique, ça va être de faire un petit peu différemment. Voilà, je vais pas d'un coup à la fin, tout paste, d'un coup à la fin, il y a tout qui se construit. Non, là, on va faire un petit peu plus dans la discrétion, on va dire. Là, il faut vraiment que je construise au fur et à mesure. Donc voilà, écoutez, c'est parti, on va commencer. En vrai, les gars, si vraiment, genre, il commence à trop poser de questions, je pense que je vais jouer la défense en mode, mais excusez-moi, en fait, vous avez laissé World Edit sur le serveur. Voilà, il faut que je tente un truc un petit peu comme ça. J'ai pas le choix. Et par contre, les gars, imaginez si je devais build tout ça à la main. Rien que là, en buildant à l'aide de triche, ça va être très long. Je suis même pas un tiers avec de la triche. C'est une dinguerie, ça. Ok, là, il faut que je build un petit peu plus lentement. Ok, voilà. Là, tout est normal. C'est moi qui build. Hop, tac, tac. Et c'est sûr, ils vont m'interroger. Après, quoique, en soi, là, c'est juste le début. Donc, je sais pas pourquoi est-ce que forcément ils m'interrogeraient. Hein. S'il vous plaît, m'interrogez pas, les gars. C'est tout ce que je demande. Est-ce qu'ils sont encore autour de moi? Ok, non, c'est bon, ils sont plus là. Ouais, du coup, la nette, je pense, c'est qui va gagner? L'autre, là, avec sa voix bizarre, là. Oh, je pense pas. Il y avait des builds plus beaux quand même. Non. Si on est honnête, si on n'est pas aigri, et voilà, bon, il n'y a pas mieux. Bon, Nono, ce bon vieux frérot Nono, il faudrait se réveiller, mon Joe. Hein. C'est quoi? Viens l'observe un petit peu, là. Je pense qu'il est surtout en train de tricher, quoi. J'avoue que les blocs sont posés de façon un petit peu robotique, là. On dirait vraiment qu'il sait très bien ouais. Ce qu'il fait. Ah, suspicious, hein. Et qui lui dit qu'on est plus Halloween, là? Genre de mec qui fait le ramadan alors qu'il y a 6 mois de retard, quoi. Et par contre, qu'est-ce qu'ils ont avec Harry Potter et faire des balais magiques, là? Ah, sorcier! Après, c'est des sorciers, hein. Oh non, s'il y a que des Harry Potter, je suis déçu, hein. Le niveau 0 de la création, on dirait les vidéos Build Battle. Après, regarde, il y a un mec avec qui fait des ourlets, regarde. Bon, bah, c'est encore Harry Potter, hein. Tu te doutes bien que bon. Ah, ou peut-être un petit lutin. Par contre, j'aime vraiment bien bah, les choix de blocs. Non, mais ouais, t'es moi ce qu'il nous fait, frère. Il nous fait encore des projets de zinzin. Ah, oh, ouais, non, mais lui, c'est. Ouais, il est promoteur, lui. Bah, en fait, le problème, c'est que je suis sûr qu'on ferme les yeux. Viens, on fait un truc, Shawen. Limite, on met de la bedrock tout autour de son build et on regarde qu'à la fin. C'est quoi, j'ai envie de tenter. Et voilà. Comme ça, tu réfléchiras deux fois, là. Tu restes tout seul. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Lined, là? Bon, je sais vraiment pas ce qu'il fait. Bah, attendez, mais il me soupçonne d'un truc. Pourquoi il m'a mis dans un truc complètement bedrock? Bon, écoutez, je pense à mon avis qu'il veut voir si je triche ou pas. Mais écoutez, moi, ça m'arrange puisque ça permet que les autres ils voient pas quand je build de manière bizarre. Et franchement, les gars, j'ai l'impression d'être en mission infiltration. C'est une dinguerie, comment est-ce que j'ai la pression? Comme ça, s'il vient voir, au moins la tour elle a un petit peu démarré. Parce que bon, là, autrement, c'est vraiment la merde. Hein. Ok, vite, on fait la tour, vite. Alors là, c'est la panique, les gars. Bon, il y a des gens qui sont en train d'opter pour des petits chaudrons, l'originalité moins 8. T'es aigri quand même. Après, je vais devoir être aigri, Shawen, malheureusement. Parce que 10 éliminations, malheureusement, si vous faites des choses aussi basiques que ça, bon, lui, est-ce qu'on l'éliminerait pas dès le début, lui? Il est en train de faire exactement le même build que tout à l'heure. Exactement le même Harry Potter. Ah, mais ça dégage. Je suis désolé, alors que c'était joli, franchement. En fait, il pense qu'on l'avait pas vu. Bon, vous savez quoi, les mecs? On va leur laisser quelques petites minutes pour finir et on se retrouve à la fin.
enfin quand tout est terminé. Oh, mais comment est-ce que vous voulez que ça passe crédible que genre là oui en 3 minutes j'ai le temps de faire ça. Et les gars, je regarde qu'il y ait personne à côté de moi, vous savez quoi, c'est parti. Ok, ok, c'est bon, c'est fait. Gagne, oulala, Yashawen sur moi. Ok, attendez, il faut qu'on fasse genre, on est en train de continuer de build là. Et voilà, Shawen, fin de la manche, on leur a laissé quand même pas mal de temps. Il y a des mecs qui ont fait des builds de 500 de l'espace, hein. Oh lolo. Il nous a fait, Einstein version Harry Potter. Ça c'est du build, hein. Bon, toi malheureusement, bon, je pense qu'il l'a compris. Ah oui, bon. Ouais, c'est les nains dans les 7 nains là, Indy là. Ah, Indy, tu me regardes dans les yeux là, Indy là. Ah non, allez, viens par là. Bon, ça en fait deux là. Bon, je suis sûr et certain qu'avec plus de temps, le build aurait été incroyable. Sauf que, Shawen, voilà, c'est ciao. Est-ce que ce serait pas du foutage de gueule? En vrai de vrai, en étant full honnête, est-ce que ça serait pas se moquer de nous? Ah, mais là, c'est une blague là. Je sais même pas comment il a passé la douane. Bon, bah, en vrai de vrai, on a déjà nos deux qualifiés. Le mec qui a fait Einstein et mec qui a fait, voilà. Bon, Nico et Robrine, il lui manque un bras, mais j'aime bien. Donc lui je pense qu'on le garde, ça en fait 3. Bon frérot, on est dans le bassin d'Arcachon ou Aqualand ou... Ah c'est le pire flop que j'ai jamais vu de ma vie hein, c'est ciao. Donc vous savez quoi, on va simplement enlever le mur en bedrock, slash cut, bon. C'est tricheur, il triche 100%. Mais tu veux qu'il triche avec quoi? Qu'un coubert. Non en vrai de vrai c'est vraiment de la triche. Il y a beaucoup trop de détails pour que ce soit pas de la triche. Mais on est sur un event où personne n'est OP. Mais c'est quoi le rapport avec... Ils sont en créatif dans tous les cas. Je vais lui poser une question, est-ce qu'il y a World Edit pour toi? Montre-nous, voilà, il y a... Bon voilà, donc bon. Non mais Lineage, je suis sûr et certain que c'est de la triche, j'en ai rien à faire. Même ça se fait pas avec World Edit, 100% il y a un truc. Après on va pas éliminer quelqu'un parce qu'on a des suspicions. Il faut qu'on l'observe à la prochaine manche. Je tiens quand même à noter que tu viens de laisser cette espèce de Doberman en vie quoi. Qui ça? Bah je suis désolé, mais bon, là c'est un criminel que tu lâches. Mais je peux pas éliminer un build aussi incroyable. Bon du coup, toi, c'est ciao. Ah, parce que ça clairement c'est du foutage de gueule hein. Attends mais Lineage lui il a fait le même build, tu vas le laisser tranquille. Bah en fait, il va être éliminé mais il a vraiment pas de chance parce que son build est incroyable, mais vu qu'on doit éliminer des gens. Voilà. Oh bah voilà Shawen, on a nos 10 participants. Et maintenant ça va être plutôt spécial. Donc vous savez quoi les mecs, c'est parti. Et voilà Shawen, la manche numéro 4, on leur a concocté le petit thème Égypte. C'est comme l'Algérie? Oui bon. Bah vas-y, bah dis-moi, c'est quoi la capitale de l'Égypte? C'est le Caire. I don't care. La Caire Morito. Bon 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 les gars, là c'est parti pour la toute toute dernière manche. Alors là je vais sortir mon meilleur schématique. Je vous dis, il va être exceptionnel, c'est sur le thème Égypte. Oh là là, non mais attendez mais les gars, je pense que j'ai pris un schématique trop grand. Franchement, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, comme qui dirait. Bon, heureusement ça passe tout pile, mais là il y a aucun monde où Lightning de Shawen est en mode bah oui bah franchement lui il triche pas, y a pas de problème. Non mais là je pense Shawen on va laisser le côté waouh au spectateur, on va faire une ellipse et on va se retrouver dans pile 30 minutes. 30 minutes. Oui. Bon franchement j'ai pas vomi tant que s'il y a personne, je crois qu'on va passer le truc d'un coup et basta hein. Bon, franchement les gars il y a personne. Bon et ben écoutez c'est parfait, c'est parti, on va passer le truc en entier. Oh là là, oh, j'ai peut-être un petit peu abusé. Oh c'est magnifique mais il y a aucun monde où personne ne se pose de questions de toute façon. Ah bah oui. Alors lui là je peux vous dire, il est en train de se dire bizarre tout ça. Mais il est en train de tricher lui. Il est en train de me griffe. Frérot tu le sais pas mais j'ai les paires. Bon et bah voilà du coup les gars, mon quatrième build est officiellement terminé. Et j'espère que plus personne ne va venir le griffe. Et nous voici Shawen. Wesh. Oula. Ah mais là il faudrait Je ne vais rien dire. Wesh. J'allais dire on lui a laissé du temps mais non. Mais bref on va quand même aller voir les autres. Donc ça en os. Tant de temps, c'est complètement bâclé. Ça, c'est du foutage de gueule. Ah, lui est trop fort. Ça, bon, ça, c'est... Non, mais c'est incroyable. Non, mais lui, avec le drapeau et dans le thème, il y a tout. On va voir s'il est confiant, on va voir s'il est confiant. Va-t-il baisser la tête? Putain, mais lui, il monte en hauteur, mais qu'est-ce qu'il est confiant. Mais en tout cas, tu sais quoi, j'ai envie de parler à ce bon vieux gaming Roblox, là. J'ai l'impression que... des choses bizarres, là. Bon, du coup, tu m'expliques comment t'arrives à faire des hiéroglyphes comme ça en aussi peu de temps? Bah, en fait, il y avait World Edit. Ça va me dire un petit truc, mais je vais rien dire, je vais pas... Mais tu penses vraiment que ce frérot, il a World Edit, là? Bah, oui, je pense... Bah, t'as vraiment dit question de fou. Ok, c'est Poké ou Ratman? Tu veux savoir quelque chose, chiche? Tu viens d'apprendre avant moi-même que c'était Poké Draclo. Il y a 100 joueurs, 100 honnêtes travailleurs qui travaillent, qui bossent au BTP pour que tu les arnaques et que tu viennes avec un vieux double compte de merde et que tu schématiques des trucs. Désolé. Bon, les mecs, dites-moi en commentaire qui mérite de gagner, parce que là, malheureusement, je ne sais pas quoi faire. Ciao, les mecs.